maman. Comme hier, j'ai dormi ici. Ma petite maman. Mm-hmm. J'étais en train de manger bain. Ouais, machine. Un petit bout de bain. Puis, c'est ça, elle a acheté des beignes et des muffins. Puis, regardez, c'est ça le muffin que je vous parlais hier. Le nouveau muffin de yogourt grec et petits fruits. Il y a des beignes. J'ai pris le muffin Red Velvet. Yum! Pour déjeuner. Puis, Anthony vient de se coucher. Parce qu'il a travaillé. Mais tantôt, il joue avec toi, Julien. Hmm? À quoi tu jouais avec Anthony? Un jeu sur la vie. T'as-tu gagné? Ouais. T'as gagné? Une fois. Princesse, elle aime beaucoup la neige. J'ai joué dans la neige tantôt avec maman. Fait que ça, c'est le petit setup avec tous les trucs pour le faire-corps. Là, on a avancé pas mal les faire-corps. Pas mal. Mais là, on va manger. C'est long. Oui, c'est très long. C'est vraiment long, plus long que je pensais. Oh, mais Dieu, ça a avancé pas mal, là. Pas mal. Quoi? Maman, elle a fait de la lasagne. C'est pas du gras ce qu'il y a sur le dessus, c'est du fromage orange. Mais là, maman, là, elle va mettre les biscuits au four. Elle a fait du pain avec de la salade César. Là, les princesses. Une belle princesse. Du belle. Oui. Juliane, elle aime ça par les verres-pâts. Elle aime son beau. Oh, elle est tellement longue. Book, là, sur le dessus, c'est le top du top. Hey, montre les biscuits. Oui, je les ai montrés. On va les montrer quand ils vont être faits. Tu fais plus que ce que tu faisais. Ta lasagne. Ta salade, c'est drôle. Je faisais ma crise de petit pain. Donc, regardez comment on fait la chaîne. Moi, je prends le carton. La petite feuille verte. Je colle, puis maman, elle les prépare. Comme ça. Fait que là, ça fait. Puis Julien, elle fait les petits trucs comme ça. À la chaîne. Et bonne maman. Très organisée. Je suis vraiment pas organisée. Oh, c'est bon. Regarde. Non, mais ça, je suis tellement bonne, là. Je regarde une affaire une fois, puis je vois tout de suite qu'est-ce qui marche pas. C'est de même. Il va bien. Oups! C'est pas croyable comment que... Je vois tout de suite où est-ce qu'il y a le temps perdu dans une situation, puis ce qu'il y a dans une autre. Fait que là, tu évalues qu'on va finir dans combien de temps? Ah, ben c'est sûr qu'on en a pour au moins une heure, là. Ouais. Quand même, on va arrêter de faire quelque chose. Genre, je vais aller voir mon thé. Tu peux boire ton thé en même temps. Ah, mais il est là-bas. Ah, OK. On va pas faire les dégâts. Je peux même rater l'école. Juliane était tellement avec la petite gueule hier. Là, ouais, cool. Il était après elle. Là. Il est venu la voir pour lui demander d'aller danser. Ben, une cruise, hein? C'est un petit gars, Pierre. Ah non, ouais. T'as pas une petite fille. Je sais qu'elle avait les cheveux longs, mais c'est un petit gars. Elle avait les cheveux longs, elle avait les yeux d'une fille. Mais tu sais, genre avec des grands cils et tout. Ben comme un... Fait que là, on est rendu au montage dans l'enveloppe. Nos cartes comme ça. Et Juliane qui coupe la dentelle. Je vais en prendre un échantillon, ouais. OK? Fait que là, on prend... mes empreintes, puis les empreintes en dernier. Et on fait des cœurs, on voit pas. Hein? Ben, je vois juste tes doigts, là. Ah, oh, c'est comme beau! Ça. C'est cute, hein? Wow! C'est cute! C'est vraiment beau. Tes empreintes à toi, elles sont pas belles. Mais non, mais... On n'a pas d'empreintes digitales, nous. C'est un test. Comment on n'a pas d'empreintes digitales? C'est Juliane qui vlog en passant. Mm-hmm. Wow, t'as des gros doigts, t'as-tu changé de doigt? Bon, fait que on va manger du Subway pour souper. Anthony, t'as pris quoi? Ah ben, on a pris celui du jour. Mm-hmm. Ouais. On a pris le poulet buffalo. Là, on va écouter Dexter. Ça va être bon. Anthony a 12 pouces, moi j'ai 6 pouces. Puis on a des biscuits.
Donc, j'ai juste enlevé ma serviette sur ma tête. Peut-être j'aurais dû la garder. En tout cas, c'est pour ça que mes cheveux sont tous... Ils ont l'air tous dégueu. Puis, j'ai un bouton qui m'a poussé ici. En tout cas, vous voyez, c'est rouge. Bref, là, vous entendez la douche. C'est Anthony qui est dans la douche. Donc, je voulais vous dire que j'ai pas vlogué beaucoup aujourd'hui. Parce que ça a pris... OK, je pense que je l'ai pas dit, là, mais... Ça a pris, je l'ai écrit sur Instagram, ça a pris, je pense, 6 heures. Faire les invitations de mariage, 6 heures à 3. OK? À 3. Genre, juste l'assemblage, là, c'est fou quand même, là, tout le temps que ça a pris. Alors, c'est ça. J'ai envoyé mes invitations. On va envoyer les invitations cette semaine. Il y en a qu'en fait, Anthony va les porter en, genre, en main propre. Mais j'en envoie en fait demain. Donc, c'est ça. Puis, qu'est-ce que j'allais dire? C'est ça. Oh mon Dieu. Sérieux, là? Je comprends pas, genre. Moi, j'ai eu une fin de semaine de 3 jours. Puis, vous le savez, j'ai une semaine, 3 jours, l'autre semaine, 4 jours de congé. Puis, sérieux, là? Je comprends pas le monde qu'ils font pour avoir juste samedi, dimanche de congé par semaine. Genre, je suis tellement. Genre, ça passe. On dirait que je peux pas m'exprimer, là. Ça passe tellement vite, OK? Moi, quand j'ai 3 jours comme ça, là, genre, ça passe trop vite, là. Genre, on dirait que j'ai le temps de rien faire. On a même pas eu le temps de faire l'épicerie, là. Comme, ben, on dirait pas que j'ai fait grand-chose, là. Mais, comme... Je me rappelle plus que j'ai fait vendredi, OK? J'ai eu un rendez-vous, on était à Montréal, on était un peu magasinés. Je suis revenue ici, j'ai fait le ménage. Puis j'ai préparé mes choses pour le lendemain. Le lendemain, c'est la fête à Cynthia, j'ai été chez dormir chez ma mère, j'ai été au gym. Là, aujourd'hui, je faisais faire part. En tout cas, ça passe tellement vite, sérieux, là, je me dis, oh my god, genre, je serais jamais capable d'avoir juste samedi, dimanche, congé. Genre, j'aime tellement mon horaire, comme, je vous laguais. C'est pour ça que c'était le téléphone. Ah non, je disais que je comprends pas, comme, je trouve 2 jours de congé, c'est pas assez. Ouais. Mais, en tout cas, j'ai pas 2 jours, là. Mieux vaut 5. J'ai eu... Tu sais, on sait, j'ai eu 3 jours, là, mais comme... Sérieux, genre, je comprends pas, là. Genre, parce que je me dis, là, supposons que j'aurais, genre, juste 2 jours de congé, comme la majorité des gens, là. Tu sais, c'est quoi? Comme, tu fais ton ménage le samedi, puis tout... Comme, tu fais tout... En tout cas, un gros ménage, tu sais. Moi, je fais mon gros ménage au moins une fois par semaine. Fait que tu fais ça, puis là, il te reste quoi? Une journée pour relaxer, genre? Mais non, faut que tu... Tu sais, tu veux faire des choses, tu sais, tes congés... Fait que, oh my god, en tout cas, je l'aime mon horaire, là. Genre, on dirait qu'en 3 jours, j'ai pas eu le temps de relaxer, là. Comme je relaxe là, là. Puis 8 heures, puis c'est pour ça que je vous vlog ça là, parce que je vais arrêter là. Puis en plus, j'ai aucunement édité les 3 vlogs que j'ai fait, là. Fait que c'est ça. En tout cas, mais c'est sûr que je me dis, c'est sûr que moi, comme je fais les 12 heures, mes soirées commencent à 7 heures quand je finis de travailler. Je finis... Tout le temps à 7, sauf le mardi à 9. Fait que je me dis, OK, c'est sûr que les gens qui font genre du 9 à 5, 9 à 6, bref, qui finissent à 5, 6, ben, ils ont une plus longue soirée, comme, devant eux. Mais genre, je sais pas, il me semble que quand t'arrives chez toi, t'as juste envie de relaxer. Puis en plus que je vais au gym le lundi et le mercredi, genre, j'ai pas de temps pour relaxer. Fait que pour moi, c'est vraiment important, mon temps pour relaxer la fin de semaine. Fait que je m'imaginerais tellement pas avoir juste 2 jours de congé par semaine, là. Bref, je suis très choyée de mon horaire. En tout cas, ça, c'est ça. Je voulais vous dire ça. Parce que... ouais. Puis ça va faire bizarre, là, quand que je vais être enceinte en espérant en 2015. Parce que je sais que quand t'es enceinte, quand que t'es hygiéniste dentaire, ben, premièrement, t'as un congé... congé préventif, genre. Fait que je pense... Tu sais, ça dépend vraiment qui analyse ta demande et tout, mais la plupart du temps, c'est quand même genre à 6 mois, là, ou autour de 6 mois. Je me rappelle plus combien de semaines. Mais en tout cas, un congé préventif. Puis, en plus de ça, quand tu fais des 12 heures, dans le fond, sont réduits... Ben, le médecin, souvent... Ça dépend du médecin qui analyse encore, mais souvent, ça va être soit 8 heures ou 9 heures max par jour. Mais t'es payé quand même, genre, comme si
tu ferais un 12 heures, là. Supposons qu'ils payent la compagnie qui t'engage, là. Pour, mais supposons que je vais faire des chiffres normales. Genre des chiffres normales d'heures. En tout cas, c'est supposé, là. Genre que tu finis, mettons. Tu peux pas faire plus que 8, 9 heures de travail. Mais moi, je fais genre des 12 heures. Ça va être trop bizarre. En tout cas, bref, c'est ça. C'est ça. Je parle un peu pour rien dire, là. Mais bon. En tout cas, c'est ça. Puis, j'ai encore vraiment demandé, genre, quand j'allais être enceinte. C'est fou parce qu'on parlait fou de ça hier avec la cousine Anthony, là, qui a un bébé. Puis, ça va être bizarre, là, quand j'ai été posée en congé de maternité, là. J'aimerais ça vlogger, comme, à chaque jour, mais. Comme, tu peux pas prévoir de vlogger à chaque jour. Je sais même pas comment ça va être. Bref, je ne suis pas enceinte et je ne serai pas enceinte tout de suite parce que je prends la pilule. Quand je dis ça, il y en a qui me disent « Ah, mais tu peux tomber enceinte pareil. » Oui, c'est vrai, tu peux, mais il y a vraiment très peu de chance. Mais en tout cas, fin avril, j'arrête. Et j'ai hâte. En tout cas, sur ce, bonne nuit!